Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Top High Tech pour une nouvelle vidéo montage PC, cette fois-ci pour un budget de moins de 400 euros. On continue donc avec la série des configurations PC avec un budget très limité, mais cette fois-ci j'ai pu acheter tous les composants pour monter le PC. Pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez retrouver l'ensemble des composants directement en description, mais je vous conseille tout de même de regarder la vidéo jusqu'à la fin car je vous ai réservé une petite surprise. Maintenant que tout est dit, commençons par la présentation de cette config. Comme d'habitude, on commence par le choix du processeur, et pour notre budget et compte tenu de la période de pénurie au niveau des cartes graphiques que nous traversons, je me suis orienté vers un APU, c'est-à-dire un processeur avec un chipset graphique intégré. L'avantage de ce genre de processeur, c'est qu'on va pouvoir se passer de cartes graphiques et donc réduire considérablement notre facture final, mais d'un autre côté, on ne pourra pas en demander autant au niveau des performances. Je suis donc parti sur le Ryzen 3 3200G, un processeur 4 cœurs 4 threads, cadencé à 3,6 GHz de base et pouvant monter jusqu'à 4 GHz en mode boost et intégrant un processeur graphique Radeon Vega 8. Ce n'est pas le meilleur APU du marché, mais c'est celui qu'on retrouve au meilleur prix en ce moment. Il sera donc parfait pour cette config. Pour le refroidir, on va se contenter du Ventirad fourni avec qui sera suffisant. Ce Ryzen 3 3200G, je l'ai payé un peu moins de 130€ chez Rue du Commerce en version OEM. Vous retrouverez bien sûr le lien en description. Passons maintenant au choix de notre carte mère. Comme lors de la vidéo config à 350€, j'ai choisi la MSI A320M Apro Max, une carte mère vraiment basique au format micro ATX et qui embarque le strict minimum au niveau de la connectique. C'est une carte mère entrée de gamme qu'on retrouve à très bon prix, donc parfaite pour une petite config de ce genre. Je l'ai payé aux alentours des 52€ sur Infodiscount, mais en ce moment on retrouve cette même carte mère pour quelques euros de plus chez Amazon, mais cette fois-ci en version B450, donc avec un chipset plus récent. Au niveau de la RAM, maintenant j'ai opté pour 16Go cadencé à 3000 MHz, donc deux barrettes de 8Go de chez Crucial, les Ballistics en version blanche. Si vous avez un budget d'environ 350€, vous pouvez vous contenter de 8Go, mais prenez bien des barrettes cadencées à 3000 MHz pour tirer le meilleur parti du processeur. En ce moment, le prix de la RAM s'est envolé et on la retrouve rarement à moins de 80€ pour 16Go. Personnellement, je l'ai payé 79€ chez Rue du Commerce, mais elle n'est plus disponible en ce moment. Je vous mettrai donc des alternatives en description en fonction des bons plans. Passons maintenant au choix du stockage. Pour le budget que j'avais, je me suis contenté d'un SSD de 480Go de chez Crucial, le BX500. Pour le même prix, j'aurais pu prendre un disque dur de 1Tera, mais j'ai préféré privilégier la rapidité plutôt que la capacité. Le BX500 m'a coûté 46€ et il est toujours disponible à ce prix chez différents revendeurs. Sans perdre plus de temps, on s'attaque à l'alimentation. Je suis parti sur la P450 de chez Gigabyte, une alimentation 450W certifiée 80+ bronze que j'ai acheté en promo chez Rue du Commerce à seulement 33€. Ce n'est pas la meilleure alimentation certes, mais pour son prix, on ne trouvera pas mieux. Une puissance de 450 watts est largement suffisante pour ce type de config et sera même capable d'accueillir une petite carte graphique à l'avenir. Et on arrive finalement au choix de notre boîtier. Comme pour mes deux dernières vidéos config PC, j'ai opté pour le Trinity Mini de chez Aerocool. C'est un boîtier mini tour assez sobre, idéal pour accueillir notre carte mère micro ATX et toujours vendu à 34€ chez Infodiscount. Comme d'habitude, le choix du boîtier reste un choix assez personnel. Je vous mettrai donc quelques alternatives en description. Finalement, cette config m'est revenue à un peu moins de 377€ seulement, ce qui est très appréciable. Je vous laisse maintenant avec un petit timelapse du montage du PC avant de s'attaquer au benchmark.
Pour ce qui est des performances en jeu, ce Ryzen 3 3200G m'a plutôt surpris. On commence sur Fortnite où le jeu va tourner aux alentours des 70-80 FPS avec les graphismes réglés en compétitif. Sur GTA, avec les graphismes en normal, on va se retrouver avec 50 voire 60 FPS en moyenne, ce qui nous offre une expérience de jeu plutôt fluide. Et sur des jeux plus compétitifs comme CSGO, on va pouvoir opter pour des réglages en high et atteindre les 70 voire 80 FPS en jeu. Finalement, les performances en jeu de ce Ryzen 3 3200G se rapprochent beaucoup de celles de son grand frère, le Ryzen 5 3400G, mais pour un prix bien plus intéressant. Donc ce PC, comme ceux que j'ai présentés dernièrement, s'adresse aux personnes qui ont un petit budget et qui joueront des jeux plutôt compétitifs, et à tous ceux qui veulent un PC dès maintenant et qui le feront évoluer rapidement dès que les prix des cartes graphiques seront revenus à la normale. Moi je trouve personnellement ce PC intéressant pour son prix, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vient maintenant la petite surprise que je vous ai préparée. Je me suis dit que si cette vidéo atteignait les 500 likes avant la fin du week-end, c'est-à-dire avant dimanche 9 mai à minuit, j'organiserai un concours pour faire gagner ce PC. Si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire et sur ce, je vous dis à la prochaine.